Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Charles-Marie Vidor. Il occupe une place spéciale dans l'histoire de la musique française. On retient surtout sa position d'organiste de Saint-Sulpice, mais il fut en fait bien plus que cela. Vidor est l'objet de nombreuses contradictions. D'un certain point de vue, il incarne une sorte de conservatisme qui est assez comparable à celle de Saint-Saëns, par exemple. Mais dans le même temps, Vidor est ouvert à tous les courants, sans les imiter. Par exemple, il va proposer son fauteuil de l'Institut à Claude Debussy, qu'il n'appréciait pourtant pas tant que cela, même s'il l'avait bien connu pendant sa jeunesse. Il sera de même manière le professeur éphémère d'un musicien aussi différent de lui que Varèse, et il va encourager Messiaen à pratiquer l'orgue, ce qui n'est pas rien quand on pense au destin de ce jeune musicien qui va devenir un des plus grands compositeurs du XXe siècle. À chaque fois, Vidor saura orienter les jeunes dans la direction qui leur convient. Vidor est issu d'une famille d'origine hongroise. Par sa mère, il est apparenté aux frères Montgolfier, les inventeurs de la célèbre Montgolfière. Son grand-père Jean Vidor est né en 1775 à Laufen, près de Bâle. Il est un des artisans qui travaille à la gloire de l'atelier des facteurs d'orgue Rabini et Caguinet à Ruffach en Alsace, dans le département du Haut-Rhin. Son fils François-Charles se passionne pour l'orgue, qu'il pratique notamment à l'église Notre-Dame de Guebwiller, où sera installé, bien des années plus tard, un très bel instrument mutin cavaillé-colle. C'est en allant travailler avec son père à la restauration de l'orgue de Grès, en Haute-Saône, qu'il se fait remarquer et qu'on lui propose le poste d'organiste qu'il acceptera pour quelques années. En 1838, père et fils partent de nouveau, cette fois à Lyon, pour construire l'orgue Caguinet de l'église Saint-François de Sales, qui se trouve aujourd'hui dans celle de Voiron, dans l'Isère, cet orgue Caguinet donc. Il va devenir, une fois encore, l'organiste du nouvel instrument. Rapidement, François-Charles, le père donc, va acquérir une réelle renommée, jouant à Paris, à Saint-Eustache ou à Saint-Vincent-de-Paul, et publiant de jolies pièces, notamment pour le piano. Charles-Marie va naître à deux pas de l'église, au 19 rue Sala, de François-Charles Vidor et Françoise-Élisabeth Perron, le 21 janvier 1844, qui est l'année de la publication du traité d'instrumentation et d'orchestration de Berlioz. Il aura un frère, Paul, et une sœur, Marie, et leur fratrie restera toujours très soudée. C'est son père qui l'initie à l'orgue dès l'âge de 4 ans, à Saint-François de Sales de Lyon. Très tôt, il est initié également à l'œuvre de Bach, alors que l'édition musicale monumentale de son œuvre était née avec Vidor en 1845. Il devient rapidement un virtuose accompli de l'orgue et du piano. C'est par l'intermédiaire de Cavaillé-Colle, ami de son père, que Charles-Marie Vidor va travailler à Bruxelles, auprès de Lemmens, comme son aîné Guillemant. Nous en avions d'ailleurs parlé un petit peu plus largement lorsque nous avons évoqué la figure de Guillemant. Mais il va également fréquenter le savant Fétis, qui sera son professeur de composition. Il avait une culture encyclopédique. Dès 1863, de retour à Paris, Vidor montrera son talent, notamment sur le tout nouvel orgue de l'église Saint-Sulpice à Paris, et au cours d'une séance spéciale. C'est pour un salon de la manufacture Cavaillé-Colle, justement, qu'il va écrire 6 duos imitant en cela Saint-Saëns pour orgue et harmonium. Alors nous avons écouté le premier de ces duos, la Canzona, qui est une très jolie pièce, et qui va être interprétée ici par Kurt Wöders, qui joue l'harmonium Mustel personnel de Alexandre Guillemant, et il est accompagné par Pascal Bonnier au piano. Thank you.
Cavaillé-Coll introduit Vidor dans les salons parisiens, où il côtoie l'élite artistique et intellectuelle de son temps. Ses premières œuvres sont plutôt destinées au piano, instrument qu'il va pratiquer toute sa vie. Écoutons par exemple le début du deuxième concerto pour piano de 1905. Au piano, nous écoutons Martin Roske, et il s'agit du BBC Orchestra, dirigé par Martin Yates. En 1868, âgé de seulement 24 ans, il participe à l'inauguration de l'orgue de Notre-Dame de Paris, reconstruit par Cavaillé-Coll. Il va jouer aux côtés de Saint-Saëns, César Franck, le tout jeune Guillemant, Auguste Durand, un autre musicien très jeune, Alexis Chauvet, et Maurice Sergent, qui donc, élève de Boilly, sera l'organiste de Notre-Dame. Puis, lors d'une deuxième audition, privée cette fois-ci,
il fait la connaissance de Gounod. Il est tout à fait charmé par ce personnage étonnant et extrêmement musicien, bien sûr, et va lui dédier son quintet, qui est déjà une partition de très grande envergure. Il est interprété ici par le New Budapest Quintet et Ilona Pruny au piano. Théâtre, Lefebvre Vély, l'organiste très célèbre de Saint-Sulpice, instrument monumental et d'un rare raffinement sonore, vient de s'éteindre le 31 décembre 1869. Véritable star, comme on sait, Lefebvre Vély doit être remplacé par un musicien d'une certaine envergure. Vidor est engagé prudemment le 13 janvier pour un an. C'est un tout jeune homme. Le contrat ne sera en fait jamais renouvelé, mais Vidor va rester jusqu'en 1933 à Saint-Sulpice. C'est pas mal pour un petit contrat d'un an. Hélas, la guerre éclate, Paris est assiégé, Vidor est lieutenant d'artillerie. Il va s'installer rue Garancière, donc près de Saint-Sulpice, près du chevet. Il va composer très rapidement un premier groupe de 4 symphonies qui portent l'opus 13, qui sont publiées chez Mao en 1872. Il a seulement 28 ans. Ce sont de vastes partitions à mi-chemin entre la sonate et la suite. En fait, la sonate, ça fait penser un petit peu à Guillemant, mais il faut souligner que ce compositeur ne va s'intéresser à ce genre qu'à la fin des années 1870. Donc Vidor est en quelque sorte son précurseur. Pourquoi la suite? Eh bien parce qu'elle comporte généralement plus de mouvements que la simple sonate, et par exemple, la première symphonie, dans sa deuxième version, comptera 7 mouvements. Le terme de symphonie, lui, vient de la grande pièce symphonique de César Franck qui a été publiée seulement 4 ans auparavant. En fait, dans la première édition, elle s'appelait bien Symphonie. Vidor va les réviser pendant toute sa vie, ce qui fait qu'on va disposer de partitions assez différentes au fil des années de la même symphonie. Il est extrêmement sensible aux timbres variés de son grand instrument de Saint-Sulpice, et va chercher des alliages de sonorités, de timbres, toujours extrêmement variés et inventifs. Sans doute plus d'ailleurs que la plupart de ses contemporains, en tout cas plus que Franck et sans doute plus que Guillemant. Il saura donc colorer ses partitions qui s'enchaînent tonalement dans l'ordre de la gamme. Première symphonie en Do, deuxième symphonie en Ré, troisième en Mi, quatrième en Fa, et avec une petite prédominance, d'ailleurs pendant toute sa vie, pour les tonalités mineures.
Nous allons écouter pour nous rendre compte de cette musique qui est encore un petit peu néoclassique et qui s'inspire aussi de Mendelssohn, le menuet de la troisième symphonie en mi mineur, dans sa première version, par Joris Verdun à l'orgue de l'abbaye de Royaumont. Toujours dans ce style néoclassique qui fait aussi penser un petit peu à Saint-Saëns, la toccata qui introduit la quatrième sonate, cette fois par le regretté Pierre Pincemaille, qui a été professeur à Saint-Maur, à mes côtés, qui joue ici l'orgue qu'il a tenu pendant tant de décennies à la cathédrale de Saint-Denis et qui est l'un des tout premiers instruments de Cavaillé-Coll, en tout cas le premier instrument de cathédrale de grand édifice de Cavaillé-Coll. Thank you.
La deuxième série de symphonies, c'est l'opus 42, est marquée par un style un peu plus personnel. La cinquième symphonie, la plus célèbre de toutes, publiée en 1879, a été donnée le 19 octobre 1879 sur l'orgue du Trocadéro. Elle est caractérisée par des changements rapides de registration, utilisant d'ailleurs des combinaisons nouvelles fort audacieuses, notamment dans le premier mouvement qui est un vaste thème et variation bien connu. Vidor a orchestré plusieurs mouvements de ses symphonies, mais ici, nous allons écouter le travail remarquable d'un autre orchestrateur qui est Frank Stewart Adams. L'orchestre symphonique de Zurich est dirigé par Daniel Schweitzer. Thank you.
Bien sûr, la 5e symphonie est surtout célèbre par son grand choral final, la toccata, la célèbre toccata de Vidor, qui inaugure une série fameuse de pièces pour orgue du même nom. La voici par Vidor lui-même, qu'il avait enregistrée à Saint-Sulpice en 1932. La 6e symphonie a été donnée un an plus tôt, le 24 août 1878, pour l'inauguration de l'orgue du Trocadéro à Paris. Et un peu plus d'un mois plus tard, on pourra entendre les trois pièces de César Franck. Quelle période riche! Le premier mouvement s'appelait d'abord Chorale et Allegro. En voici une version postérieure pour grand orchestre symphonique et orgue, qui a été adapté par Vidor lui-même, qui, comme Guillemant, donc, a transformé quelques-uns de ses mouvements de symphonie pour orgue en pièces pour orgue et grand orchestre. Ici, Christian Schmidt tient le grand orgue, et nous écoutons l'orchestre symphonique de Bamberg, qui est dirigé par Stéphane Solium.
Alors comme César Franck, Charles-Marie Vidor va diriger une société chorale amateur qui s'appellera l'ensemble vocal Concordia. Parmi les accompagnateurs célèbres de cette chorale, il y a Claude Debussy, qui était en fait assez irrégulier et qui n'était pas très ponctuel. Mais enfin, Vidor a toujours gardé une certaine affection pour le personnage. Avec Concordia, Vidor va donner pour la première fois en France, dans la salle des concerts du Conservatoire, en 1888, la Passion selon saint Matthieu de Bach. Il dirigera souvent à la tête de ce chœur ses propres œuvres. En 1880 également, il donne un de ses plus grands succès, le ballet La Korrigane. En fait, ce ballet a été commandé par l'État après l'inauguration de l'orgue de Saint-François-Xavier par Vidor, qui fut un véritable triomphe. Alors nous allons écouter un extrait de ce ballet extrêmement célèbre. Puisqu'elle verra naître également une autre œuvre qui est La Nuit de Walpurgis. Ici, nous allons écouter un petit extrait. L'Orchestre National d'Écosse est dirigé par Martin Yells, qui est vraiment un défenseur très passionné de la musique de Vidor. En 1885, Vidor va composer une messe pour deux orgues et chœurs. Il sera imité en cela quelques années plus tard par son élève Louis Vierne. Curieusement,
on donnait souvent la messe de Vidor à Notre-Dame et celle de Vierne à Saint-Sulpice. On aurait pu imaginer que chacun chez soi. Ben pas du tout. Et c'est évidemment une messe qui déploie tout le faste que permet l'exécution dans une grande cathédrale, dans un grand édifice, avec deux orgues. Alors nous écoutons ici le Kyrie de cette messe monumentale, avec un chœur de Washington. Vous voyez que cette musique est largement diffusée au-delà de nos frontières. En 1890, César Franck décède subitement et c'est Vidor qui va lui succéder. En fait, cette succession va se révéler être une véritable révolution. En effet, au conservatoire, on enseignait surtout l'improvisation. L'exécution ne faisait partie que d'une toute petite section dans les études et le répertoire était en fait assez limité. La technique y était assez peu enseigné, et une des premières réformes de Vidor, c'est d'enseigner ce qu'il avait reçu lui-même de Lemmens, c'est-à-dire le legato absolu, l'immobilité du corps, l'immobilité de la main, les genoux rapprochés, une technique du pédalier de très près, et puis la répétition des notes extrêmement claires à la moitié de la valeur. Voilà, c'est l'essentiel, si vous voulez, de la technique de Vidor et issue donc de Lemmens. Ce sera celle qu'enseignera Guillemant, même si l'on sait qu'il y avait des petites différences chez chacun de ces deux interprètes. En tout cas, donc, changement radical avec l'enseignement de Franck, qui était vraiment, lui, tourné vers l'improvisation. En fait, les élèves de Franck étaient essentiellement des compositeurs. Par ailleurs, il fait redécouvrir à ses élèves, s'ils ne l'avaient pas encore compris, la beauté, la richesse des chorales de Bach. Et notamment, il va leur faire comprendre qu'ils sont inspirés par des textes qui étaient chantés. C'est donc une découverte fondamentale pour ces jeunes musiciens, et Vierne raconte même que c'est Vidor qui est allé couper les pages des partitions de la bibliothèque du conservatoire, pour ce qui concernait en tout cas les chorales de Bach. En fait, il ne va rester que 6 ans professeur d'orgue au conservatoire, puisque Guillemont va lui succéder en 1896. En effet, il va prendre maintenant la classe de composition, et cela jusqu'en 1927, c'est-à-dire pendant 31 ans. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va se montrer un professeur en fait assez intéressé par le profil de ses élèves, leur conseillant quelquefois d'aller voir ailleurs quand ils pensaient qu'il ne leur servirait à rien. La classe de composition à cette époque, c'était en fait une classe destinée à préparer le concours de Rome, et le concours de Rome, le prix de Rome, c'était écrire en fait une cantate, c'est-à-dire une sorte de petit opéra miniature. C'était donc une classe qui était tournée vers l'art lyrique. Il y a des compositeurs, je pense à Edgar Varèse, que Vidor a assez vite découragé de suivre son enseignement, que ce genre de discipline n'intéressait pas vraiment. Sa voix était ailleurs, et heureusement, Vidor a fait partie des gens qui ont très vite compris ce que les jeunes pouvaient et souhaitaient réellement faire. En 1891, donc entre-temps, il va diriger la revue Piano Soleil. C'est une revue qui contenait de la musique, et donc qui va permettre de diffuser, bien sûr, largement la sienne, notamment, bien sûr, sa musique pour piano. En 1894, il va composer la magnifique symphonie gothique, qui sera terminée en 1895.
Elle est inspirée par l'architecture et l'orgue de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, magnifique instrument de cavaillé-école. Nouveauté, l'utilisation de thèmes de plein chant, ici le Puer Natus Est de Noël. Écoutons le premier mouvement, assez ténébreux, par l'auteur lui-même à l'orgue de Saint-Sulpice. C'est un très vieil enregistrement, c'est émouvant d'entendre ce monsieur de 88 ans piloter encore cet instrument monumental avec une certaine aisance. Deuxième mouvement, Andante Sostenuto, également enregistré ici par le compositeur, évoque quelques pages de Bizet. Voici l'entracte de Carmen, l'Orchestre Philharmonique de Berlin est dirigé par Gustavo Dudamel. Au tournant de deux siècles, il écrit la belle symphonie romane, rythmiquement plus libre que la précédente, avec ses très belles enluminures musicales, et s'inspire de l'orgue cette fois et de l'architecture de la magnifique basilique Saint-Sernin de Toulouse. Les thèmes de plein chant, issus de l'office de Pâques, foisonnent, comme ici dans le final, l'Aigle d'Iès.
symphonie par Michel Bouvard, justement à l'orgue dont il est le titulaire à Saint-Sernin de Toulouse. Thank you.
En 1904, Vidor écrit un remarquable traité, l'Orchestre moderne, qui fait suite au traité de Berlioz. Ravel avait toujours ce traité d'orchestration à côté de lui lorsqu'il composait. Il est vrai que Vidor était un orchestrateur remarquable lui-même. En 1905, il va préfacer l'ouvrage du docteur Albert Schweitzer, Bach, le musicien poète. Vidor était très lié avec Schweitzer et les deux musiciens vont s'influencer, notamment pour ce qui concerne la musique de Bach. Certes, Vidor n'était pas un musicologue aussi profond et méticuleux que l'était par exemple un Guillemin, mais il s'est intéressé beaucoup à la musique de Bach, à défaut de s'intéresser spécialement à la musique française ancienne. La symphonie suivante, en 1907, est cette fois pour orgue et grand orchestre. Il s'agit de la symphonie sacrée, Symphonia Sacra, opus 81. Le style évolue de manière très marquée. Vidor se rapproche de Wagner, un peu de Richard Strauss aussi. L'œuvre est basée sur le choral Nuncom, dont l'origine est très ancienne, puisqu'il s'agit de la mélodie ambrosienne Veni Redemptor Gentium. Nous écoutons encore une fois Christian Schmidt et l'orchestre de Bamberg dans cette très belle œuvre. Thank you.
1910, c'est la consécration. Widor devient membre de l'Académie des Beaux-Arts, puis secrétaire perpétuel de l'Institut en 1914. Il va s'installer donc dans l'appartement magnifique du secrétaire perpétuel. En 1911, il va composer la symphonie antique pour chœur, orgue et orchestre que nous avons entendue en ouverture. Et puis, quelques années plus tard, il va épouser Mathilde de Montesquiou-Fezensac, qui lui avait demandé sa main bien des années auparavant. Widor, continuons à improviser à l'orgue, lui aurait alors répondu « Mademoiselle, nous verrons cela plus tard ». Parallèlement, il voit s'accomplir de très beaux projets dont il avait rêvé en tant que secrétaire perpétuel. Par exemple, la construction de la Casa Velázquez. Il va poser la première pierre en 1920. Il va diriger le conservatoire américain de Fontainebleau à partir de 1923 et faire construire l'orgue de la salle du Jeu de Paume. À ce sujet, je voudrais vous lire un petit passage. Alors, c'est extrait d'un très beau livre qui a été écrit par Anne-Isabelle de Parcevaux, Charles-Marie Widor, qui a été une ancienne élève de la classe. Et je vais vous lire simplement de quoi il s'agit. Voici Widor qui prend lui-même la parole. Au lendemain de l'armistice, l'État américain pensait « Nous ne pouvons rapatrier tous nos compatriotes. Que faire de ces jeunes gens dont beaucoup se destinaient à une carrière artistique ?» On avait commencé à fonder à Meudon une école de peinture et de sculpture qui avait fonctionné pendant un an et on s'est aperçu qu'il y avait d'autres artistes, les musiciens. C'est alors qu'avec Saint-Saëns et Walter Damrosch, nous avons fondé l'école de Fontainebleau. Pourquoi Fontainebleau? Parce que les locaux, qui avaient servi d'hôpital pendant la guerre, avaient été nettoyés, remis en état et étaient vides. Ils pouvaient donc recevoir un conservatoire. Dans l'ancienne salle du Jeu de Paume, on construit un orgue. La plupart des salles d'études étaient des anciens appartements, des invités de la cour. Le parquet y est admirable. Voilà, je vous recommande vraiment ce livre d'Anne-Isabelle de Parcevaux qui est remarquable. Et je voudrais ajouter une petite précision personnelle. J'ai joué pendant des années l'orgue de la salle du Jeu de Paume à Fontainebleau, puisque pendant 6 ans, j'ai été l'élève d'Anne-Marie Barra au conservatoire de Fontainebleau et que les cours avaient lieu dans cette salle. Alors l'instrument que j'ai joué cependant n'était pas tout à fait celui que Widor avait fait construire. Il s'agissait du modèle un peu à l'américaine, entièrement expressif, que Dupré avait fait construire, puisque Dupré a également enseigné au conservatoire américain. Alors, par la suite, il va inaugurer la maison de l'Institut de France à Londres. Vous voyez donc le rayonnement déjà dès 1921 que Widor va donner à l'Institut de France et à la France en général à l'étranger. En 1928, il va inaugurer la bibliothèque de Louvain, pour laquelle il s'est battu, il s'est dépensé pendant des années. Donc Louvain en Belgique. C'est à sa femme qu'il va dédier, en 1924, sa deuxième œuvre lyrique, Nerto, d'après Frédéric Mistral, qui va être créé à l'Opéra de Paris en 1924. Et puis, bien sûr, ce monsieur va devenir de plus en plus âgé, ses forces vont l'abandonner, et petit à petit, il va démissionner. Alors d'abord du conservatoire en 1927, et puis de Saint-Sulpice en 1933. Je voudrais vous lire, pour parler de Widor un petit peu, cette période de sa vie, un extrait d'un entretien qu'il avait eu avec Adolphe Bochot. Et voici ce que raconte Bochot en 1937 dans le Figaro. On savait qu'il avait plus de 90 ans, mais on ne pouvait pas le croire. Causeur alerte, amusant, plein de boutades et d'anecdotes. L'oreille fine et l'œil malicieux, il n'avait rien de l'homme âgé. L'hiver, il ne portait même pas de par-dessus, ou bien rarement. Et de son veston, où il était toujours fringant, s'échappait une éternelle lavalière qui semblait dire « Widor, étudiant de 1880 ». Alors, petite parenthèse, Vierne, de son côté, dit que même lorsqu'il faisait un froid de gueux, Widor donnait toujours ses cours, notamment à Saint-Sulpice, en complet veston. Il n'était pas frileux. Car jadis, poursuit Adolphe Bochot, pour ne pas même paraître cinquantenaire, il avait su se donner une fois pour toutes l'allure et la fantaisie d'un jeune musicien. C'est à l'Institut, dans son cabinet de secrétaire perpétuel, qu'il semblait le plus juvénile. Comme des nouvelles d'hier, il racontait en souriant et sans nulle mélancolie des anecdotes qui dataient d'un demi-siècle. Sa mémoire, sa parole pittoresque leur donnaient la fraîcheur de l'actualité.
L'autre année, par exemple, il me disait « J'assistais à l'enterrement de votre Berlioz. » Et je calculais en moi-même, mort de Berlioz, mars 1869. Widor avait alors 25 ans et il faisait déjà partie du tout Paris sous Napoléon III. Petite parenthèse encore, en 1869, Widor remplaçait fréquemment Saint-Saëns à la Madeleine. Il était déjà un musicien officiel d'une certaine manière. Et il avait une vingtaine d'années. Dans l'église de la Trinité, continuait-il, on joua pour l'enterrement de Berlioz le septuor des Troyens. Tout à coup, le téléphone sonnait. « Pardon, ne bougez pas, » disait Widor. Et il traversait deux salons en courant, comme un jeune homme. Alors Tournemire, qui n'appréciait pas beaucoup Widor, et Widor lui rendait bien, disait que lorsque Widor s'était présenté aux étudiants de la clôture du conservatoire, il évoluait comme s'il était vêtu d'un tutu. Voilà. En fait, on peut imaginer qu'il avait conservé toujours, au-delà de la raillerie de Tournemire, l'allure d'un jeune homme, effectivement. Tiens, je vais vous faire entendre la voix de Widor lui-même. L'œuvre qui vient d'être exécutée sous ma direction a été composée par moi sur le scénario de François Coppé. Sa création a eu lieu à l'Opéra en décembre 1890. Widor va composer encore quelques pièces pour orgue, dont la fameuse suite latine, classique d'hier et d'aujourd'hui, mais l'essentiel de sa composition est en fait consacré, durant cette longue carrière, à l'orchestre, au piano, aux instruments solistes et à la voix. Nous avons retenu surtout, nous organistes, ses symphonies pour orgue, mais jetons un petit coup d'œil tranquillement à son catalogue et nous allons vraiment être extrêmement surpris de la diversité et de la qualité de la musique qu'il a écrite pour d'autres formations. Et notamment, je dois dire que j'ai été particulièrement séduit par son écriture pour le piano et musique de chambre. Il va décéder le 12 mars 1937, après avoir été vraiment honoré et distingué de toutes parts. Il est enterré dans la crypte de Saint-Sulpice. Widor, au-delà des côtés officiels, est en fait un personnage généreux et sympathique. Ce que l'on connaît le mieux de lui, ce sont ses symphonies pour orgue, particulièrement la 5e et la 6e, qui sont des œuvres typiques des années 1870. Or, sa longévité lui joue des tours et nous donne une vision un peu fausse du musicien, comme si cette musique magnifique aurait pu être écrite dans les années 1920, ce qui serait ridicule. En fait, elle a été composée bien avant, à l'époque où Bizet lui-même écrivait ses opéras et sa musique de scène. Enfin, il faut souligner un fait très intéressant. Widor est un provincial, comme Guillemant, qui fit sa carrière à Paris. Et comme Guillemant encore, il fut un des grands professeurs du Conservatoire de Paris, toutes disciplines confondues, lui qui n'y avait jamais étudié. Et ce fut aussi le destin d'un très grand autre musicien, qui est Gabriel Fauré.